Et bonjour. Alors attendez, est-ce que j'ai le son? Très bien, il n'y a pas de retour. Salut Chan Modu, salut la Belette, salut Sam Nefos, PM, Crélonidas, IZ1, Minamios Glabou, Zephyra, Alcyon. Alcyon maintenant je sais qui c'est. Tu vois, Crélonidas aussi, je sais mettre un... Voilà. Minamios, je sais toujours pas et franchement, je m'en porte que mieux. Alfonso de Portago, Shingi, je sais qui c'est, mais ça je sais depuis longtemps. Léandor, je sais qui c'est. Et je sais même que Léandor c'était un jeu des Pitmap Brothers, je crois, si je me souviens bien. Sony, je sais qui c'est aussi, il est cool. Et ça y est, et j'ai vu Sony, ce n'est pas passé par l'œil d'un aveugle. Hein. Tu as fait un tweet sur ton grand projet ce matin et tu as pris en compte le fait qu'il fallait le présenter autre chose que, comme un shoot 'em up. Et c'est pas mal, tu vois. Et en plus, tu as pris un screenshot de derrière. On voit vraiment que c'est un pseudo Valkyrie. Et j'avais envie de te dire, mec, dis que c'est des Valkyries, tu vois. Vas-y, balance la sauce, tu vois. Bref. Rodensha, tout à fait, salut. Tout à fait qui ne le dit pas, mais il est fan de Chevalier's Palace. Moi aussi, Wowoto, boîte à cookies. Ah, le son n'est pas assez fort. Le son n'est pas assez fort, on dit. Il faut dire qu'il est sourd. Hein. Voilà, attends, hop, 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 hop. Là, si je crie, ah, c'est n'importe quoi, c'est trop. Voilà, on va descendre un peu, voilà. En fait, c'était parfait, c'est juste que je parlais pas assez fort, j'étais un peu endormi. Salut Eberwald, qui a un Discord de bouffe. Yann RC, j'essaie de connaître chacun des followers par cas, d'avoir une anecdote chacun d'entre eux, tu vois. Lotech, par exemple, c'est un mec qui vit à Rennes. Flaming Gold, Marty 7, Nila Tunivial, elle est suisse et elfe. Clourou, Acodix, Reine Crevette, c'est pas mal, hein. Ça envoie du bois. Dr Winnie, on pourrait croire que c'est un excellent monteur, mais en fait c'est un photographe, voilà. Cracra, et ben voilà, première fois que tu viens, Cracra, ça me fait du bien, ça fait plaisir. Don Lyle, le douteux, voilà. Piranha, je sais exactement qui c'est aussi, parce qu'il a liké un truc récemment sur Twitter. Voilà, j'ai dû... Mais en fait, j'ai vraiment peu de temps en ce moment, parce que je fais que vous stalker toute la journée, voilà. J'apprends des trucs sur vous, alors vraiment, c'est pas Jojo, quoi. Mais bon, bref. En tout cas, bienvenue à tous. Au sommaire du jour, on va parler... Alors, j'ai fait des attestations, attendez, je vous montre un peu. Maintenant, quand je vais à Paris, j'emmène tout ça. Je sais pas si vous voyez tout ça. Donc ça, c'est quoi les... C'est les PNJ... c'est les PNJ de Game of Thrones. Ça, c'est le scénario de vendredi et il est hyper épais. Ça, c'est le reste du scénario qui a été joué jusqu'à présent et c'est super épais aussi. Parce que tu vois, on sait jamais, si vous retournez à Tourneau, on sait jamais. Et ça, j'en ai fait un max, c'est des attestations de déplacement de couvre-feu. Et en fait, j'étais assez surpris, parce que l'attestation de déplacement dérogatoire, elle est encore moins contraignante que l'attestation de déplacement dérogatoire quand il y avait le confinement. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai juste mis mon nom, ma date de naissance, j'ai dit « Ok, bah je bosse, je signe, et c'est tout ». En fait, j'ai envie d'en faire 1 million, quoi. J'ai envie d'en faire 30, une par jour. Et voilà. Et je me suis dit, quand j'ai fait ça, j'étais un peu énervé. Je me suis dit, il y a des pauvres policiers, ils vont être dans le soir, dans le froid, tu vois, la nuit, au lieu de dormir, au lieu de, je sais pas, protéger la ville, tu vois. Et ils vont être là, ils vont demander les attestations aux gens, que les gens, ils... Enfin, tu vois, si t'as envie, moi, imaginons, j'ai envie d'aller faire la fête avec Lam et Daz. Genre, on se commande un truc sur Deliveroo. Et je fais ça. Et en vrai, je fais la teuf et il n'y a pas de problème, tu vois. Je trouvais pas que c'est bizarre, quoi. On a un exercice de mémoire. Céline Attaque est là. Donc, moi, personnellement, bon, je suis un petit peu déçu par cette histoire d'attestation. C'est pas... Eh bien, par contre, je suis rassuré. Et je suis ultra rassuré parce que Webédia, ils étaient en mode négation du couvre-feu. Alors, moi, évidemment, quand ils ont annoncé le couvre-feu, j'ai dit, est-ce que Webédia va continuer l'émission ? Et on discutait comme ça, genre, ouais, alors tu sais, il me disait, bon, bah alors vendredi, il y aura telle personne, tel réel, alors, ok. Et puis, à un moment, un des joueurs a mis le pied dans le plat en disant, mais ne faut-il pas des attestations? Et Trunks, il a dit, non, mais c'est bon, des attestations, j'en ai, genre, il en a un gros tas, un annuaire, tu vois. Et il les donne comme ça à tout le monde. Donc, ils en ont rien à foutre, quoi, voilà. Donc, on sait dans quel quartier ils vont aller chercher. Ah, ça, je sais pas trop, mais. Il faut pas avoir un justificatif. Attends, je vérifie, j'espère que non. Il y a marqué quoi? Non, je certifie en application d'état d'urgence sanitaire. Bah, un justificatif de quoi? Moi, pendant le confinement, j'avais une attestation de Bah attends. Mais il y a un petit... En fait, il y a un petit 1 là. Attends, je vérifie. Ok, on va vérifier en direct. C'est la Suisse ni la Tinuvia. La Suisse, elle nous prend pour qui? Attestation dérogatoire. Attends, je vérifie. Hein. Attestation de dérogation. Je reclique dessus. Attends, je clique attestation. Et déjà, c'est vrai que c'est assez compliqué de les trouver. Alors, PDF, j'ouvre le PDF. Il y a un petit 1, je vérifie. Les personnes souhaitant bénéficier d'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu de leur déplacement d'un document permettant de justifier que le départ. Ah ah ah. Ok. Effectivement, putain, ni la Tunivielle, elle est suisse. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme truc? Bah, peut-être que je pourrais montrer. Je sais pas ce que je pourrais faire en fait. Je pourrais montrer un. un tampon? Ah ouais, bah, non mais je vais le tamponner avec Fibre Tigre, tu vois. Ouais, l'émission aussi, ouais. L'émission, mais je pensais que j'allais... En fait, si j'en ai imprimé 5, c'est que je voulais tous les soirs sortir que salut Morniac. Donc, ouais, je sais pas trop là. Ouais, les Suisses... Ok, du coup, je suis obligé... Alors, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Je suis obligé de mettre dans mon Excel, pour à demain, tamponner les attestations. Je vais préparer une autre attestation. Attestation Fibre. Parce que Fibre Tigre, c'est une société. Moi, je vais me faire en fait, je vais me faire une petite justif avec tampon et je mettrai même mon cabis comme ça. Voilà, les policiers, s'ils cherchent, de toute façon, et de toute façon, j'ai envie de dire, je suis trop blanc pour avoir des poussies quand même. Tu vois, hein. Je suis pas. Si t'es indépendant, ça passe facilement. Ouais, je fais une autorisation de la société. Yes, j'ai un tampon Fibre Tigre avec le logo, non. Mais je vous le montre. Fibre Tigre SS. Mais en vrai, tu vois, en vrai, si j'avais pas... Imaginons, j'ai pas de tampon. J'ai même un tampon qualité, d'ailleurs. Voilà. En vrai, je fais ce tampon, je mets un RCS bidon que j'ai trouvé sur société.com. Et voilà. Enfin, moi, je suis un peu obsédé par la contrefaçon. J'adore ça. Je trouve que c'est... si tu veux, très tôt, quand j'étais jeune, je me faisais des fausses cartes pour avoir des réductions au quick, tout ça, tu vois. C'est un peu... j'ai jamais fait de la grosse contrefaçon, par exemple de la fausse monnaie, tu vois, mais je trouve ça marrant, quoi. Une société qui s'appelle Fibre Tigre. Bah alors, figure-toi que à la poste de Bar-le-Duc, ils me font chier de ouf avec Fibre Tigre, parce que je reçois des colis Fibre Tigre, on va en parler aujourd'hui, et les gens, ils me disent, votre société s'appelle Fibre Tigre, comme un tigre. Alors je dis ouais, regardez, j'ai un cabis, et tu sais ils me regardent, mais ça ils me check, tu vois, et je dis vous pouvez taper Fibre Tigre sur Google si vous voulez. Ils disent non mais c'est bon, tu vois, mais vraiment c'est assez la contrefaçon, c'est du vol. Mais non, la contrefaçon, Milamiol, c'est de la contrefaçon, voilà. Alors Junko, je l'ai rencontré vendredi, donc je sais parfaitement qui est cette personne, voilà. Et c'est marrant parce que Junko, j'ai une copine japonaise qui s'appelle Junko, voilà. À l'époque, c'était impossible qu'elle voit jamais ce stream parce qu'elle n'est pas du tout francophone. Ok, je vais vous montrer. On parlera peut-être de contrefaçon. Quelqu'un a fait des fausses attestations. Alors, Marty7 a fait des fausses attestations au nom de sa boîte pour prendre les transports d'après le coup. Ça sent hyper bon. Qu'est-ce que tu manges? Une galette comme ce midi là. Une galette, elle mange de végétarien. Ça sent bon. Imitation frauduleuse d'un document légal. Et ouais, c'est ton prénom préféré. Pourquoi SAS? Parce que. En fait, en France, la SA ou la SAS, donc la SAS, c'est une SA quand on est tout seul. Non, excusez-moi, c'est la SASU quand on est tout seul. La SAS, c'est plus libre que la SA. Mais en gros, la SA ou la SAS, c'est cher. C'est-à-dire qu'il faut compter 1 500 € par an de frais d'entretien de société. Mais l'avantage, c'est que tu peux vraiment faire plein de trucs. Voilà. Tu peux choper des subventions, tu peux pas forcément te payer, tu peux te payer en dividendes, tu peux... Voilà. C'est vraiment toute ta créativité fiscaliste s'exprime dans la SA, tu vois, voilà. Exactement, Motionix. Mais moi, je vais encore plus loin, je me verse même pas de dividendes, tu vois où j'en suis. Voilà, donc, payer moins de cotises, n'exagérons pas. Non, c'est... on peut frauder sur les attestations avec la SAS. Bah, on peut frauder. Alors, c'est pas de la fraude parce que moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir faire l'émission avec Daz le jeudi soir d'avion et d'aller à Game of Thrones sans avoir 135 € d'amende. Voilà. La SASU, bah la SASU c'est pareil que la SAS. Après, je vous préviens, je suis pas là pour, pour vous forcer à créer des boîtes. Je voulais l'autre jour faire un stream sur créons notre boîte. Je vous regarde dans les yeux, je vous dis, sauf si vous habitez dans un petit patelin, la SAS ça coûte cher par an. Ça coûte, il faut gagner au moins 1500 €. C'est-à-dire que par exemple, qualité c'est une SA, une SAS, et la qualité, quoi qu'il arrive, moi je retiens toujours 1500 € en trésor. Comme ça, je suis sûr de pouvoir payer l'expert comptable, les frais courants, tout ça. Voilà. Et on peut fronder sur les attestations. Non, alors moi c'est la création de boîte. Moi c'est fait la création de boîte. En fait, la création de boîte. Non, je vais vous donner le tips pour créer sa boîte, d'accord? S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-là. Parce que je vais vous dire quelque chose, j'ai créé ma boîte... En fait, j'ai créé ma boîte quand j'étais encore dans mon école d'ingénieur. Donc en deuxième année d'école d'ingénieur. Et depuis, j'ai toujours été à mon compte. Voilà. Alors j'ai perçu des salaires de mes propres boîtes, mais j'ai jamais, ever, travaillé pour quelqu'un. Et même quand j'ai fait des piges pour le Nouvel Observateur, non, le Plus Obs, j'étais freelance, donc j'ai toujours été voilà. Donc le conseil pour créer sa boîte, c'est que en fait créer une entreprise, ça sert à quoi? Ça sert à émettre des factures et encore. Ça sert à émettre des factures et encaisser de l'argent. Voilà, ça, et de façon légale. C'est-à-dire que tout le reste, tu peux le faire sans boîte. Et donc, comme à partir du moment où tu as créé ta boîte, tu vas engager des frais. Création de boîte, c'est disons 500 €, tu vois. Et que par an tu vas te payer un expert comptable, tout ça, donc tu commences à avoir besoin d'argent à ce moment là. Ce qu'il faut, c'est que il faut que tu montes ton activité, donc tu montes, tu crées, imaginons, c'est pas forcément obligé, mais tu crées ton logo, tu crées ton site web, tout ça, tu commences à faire ta boîte. Et en fait l'idée, c'est qu'il faut que tu crées ta boîte le plus tard possible dans le processus. C'est à dire que vraiment, quand tu as un client qui dit eh oh, il faut que je vous paye là, tu vois, ou envoie-moi une facture. Et encore, quand on voit une facture, tu peux dire numéro de SIRET en cours d'attribution, donc tu n'es pas encore obligé d'avoir fait ta boîte. Donc à partir du moment où le client te dit je vais vous payer et que tu es sûr d'avoir d'autres clients derrière tout ça, là tu peux monter ta boîte. Voilà. Et ça c'est le conseil. Il ne faut pas dire, tu sais, il y a des mecs qui disent souvent, les gens qui ont 40-50 ans, tu vois, qui ont été dans des boîtes toute leur vie, qui ont été salariés, qui rêvent de créer leur boîte, ils vont au salon de l'entrepreneur, tu sais, ils disent ah j'ai créé ma boîte, ça y est, je suis libre, je suis un entrepreneur, tout ça. Et en fait, le problème, c'est que bah, tu as créé ta boîte, bah non, il faut que tu trouves de l'argent et en plus, tu dois payer ta boîte. Voilà. Donc, c'est ça le truc. C'est, voilà, on peut faire des factures en cours d'immatriculation, exactement. Donc, voilà, ça, c'est... surtout qu'en plus, comme tu le dis, c'est une attaque, tu as compris ça un mois trop tard. Surtout que si tu crées ta boîte le 1er décembre 2012, enfin le 1er décembre ou le 15 janvier, ça change beaucoup de choses, tu vois. Donc, voilà, il faut vraiment faire ça le plus tard possible. Mais par contre... Comme toujours, hein, en toute chose, pas trop tard non plus, tu vois. Parce que, par exemple, imaginons, je vous donne c'est un exemple vraiment exceptionnel. Si ça vous arrive, c'est pas très grave, c'est un problème de riche, mais je vous le dis quand même. Imaginons, vous sortez un disque. Je veux dire un disque, comme ça, c'est un exemple imaginaire. Vous sortez un disque et tout d'un coup, vous vendez 1 million d'exemplaires, tu vois, du disque. Et donc, vous allez, il y a la boîte qui t'appelle, qui dit ben, on va vous verser 1 million d'euros là, vous allez faire quoi, tu vois. Et donc, si tu crées ta boîte, si tu as attendu à ce moment-là pour créer ta boîte, en fait, les fiscs qui vont te tomber dessus en disant eh oh, ce que vous êtes en train de faire, créer votre boîte pour avoir les sous par votre boîte et non pas par vous-même, tout ça pour payer moins d'impôts, on vous voit, tu vois, on vous voit et vous êtes, ça, c'est de la fraude aux impôts, tu vois. C'est pour ça qu'il faut quand même anticiper le fait que tu gagnes de l'argent subitement. Moi, ça m'est arrivé dans Outdare, par exemple. Outdare, j'avais une SARL. Et en fait, on comptait en vendre, on comptait faire des petits bénéfices, on comptait faire 10 000 € avec Outdare. Et tout d'un coup, on a commencé à faire beaucoup de bénéfices. Et j'ai appelé mon expert comptable en urgence en disant bon, il faut absolument passer en SA, tu vois, pour qu'on puisse gérer ça mieux. Je me suis pris, j'ai eu de la déperdition. J'en ai pas eu énormément, mais j'en ai eu. Voilà. Donc, bref. Ouais, mais auto-entreprise, ça c'est autre chose. Auto-entreprise, aucun frais. Tu payes tellement en charge et en impôts, en taxes quand tu dépasses des certains seuils, il faut faire attention, quoi. En Belgique, nous dit Panachon, il faut plus de 50 000 € par an pour être rentable en société par rapport à être indépendant. Ouais, 50 000 € par an, waouh, c'est beaucoup. Bah, je sais pas trop. Bon, en tout cas, micro-entreprise, oui, tu peux faire ça. Tout dépend de... En fait, En gros, si vous voulez, il faut savoir un truc. Je voulais pas faire ce stream ce soir, mais en gros, vous savez, les avocats. Vous n'avez pas envie d'aller voir un avocat parce que vous dites, putain, j'ai un problème, je vais voir un avocat, le mec, je vais lui dire bonjour et je vais lui devoir 300 €, tu vois. C'est presque vrai. Mais en vrai, les avocats, c'est pas des salauds. C'est des mecs, ils veulent que vous ayez une bonne expérience avec eux, ils veulent vous expliquer qu'avec eux, vous allez même gagner de l'argent parce que vous allez vous protéger vos droits, et voilà. Et il veut que vous reveniez tout le temps vers lui. Donc en fait, le mec, il va pas vous dire « Bonjour, je vais prendre 300 €, tu vois. Donc ils vont vous réclamer un paiement s'ils vous aident, mais voilà. Donc les experts comptables, c'est pareil. Et moi, j'ai même eu des experts comptables qui, pendant 2-3 ans, m'ont pas fait payer, tu vois. Parce que les mecs, les experts comptables, de toute façon, ils ont vos comptes sous les yeux. Donc ils savent que vous n'avez pas une thune et ils vont pas vous faire, ils sont pas là, ils veulent pas que votre société coule, tu vois. Donc c'est arrivé à qualité, par exemple, on n'avait pas beaucoup d'argent, l'expert comptable, il oublie de nous facturer, tu vois. Voilà, il oublie entre gros guillemets, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que tu vois, tous les humains sont uniques, toutes les activités professionnelles sont uniques, sauf si vous montez une pizzeria, tu vois. Et donc par rapport à votre projet professionnel, vous allez voir votre comptable, votre cousin comptable, le comptable du quartier, un expert comptable. Vous lui dites, voilà, je voulais sortir ça, je veux sortir une escape room, espérance de gain 5 000 € par mois, voilà. Qu'est-ce que je fais, quoi? Et là, il va te dire, faut faire ça, c'est tout. Voilà. Ouais, les experts comptables sont sympas. Ouais. Les experts comptables, le seul défaut, c'est qu'ils savent tout sur ton argent, tu vois. Ils savent même où tu bouffes, tout ça, donc tu peux pas leur faire le coup de « Oh, j'ai pas d'argent, je peux pas vous payer » parce qu'ils savent que t'en as ou pas, tu vois. Voilà. Salut tout le monde, salut Egonovem Twitch. Egonovem, ah d'accord, Egonovem, le nouveau mois. Bref, je voulais vous montrer des trucs aujourd'hui. On fera un stream création d'entreprise un jour, d'accord? Alors, je vais vous montrer plusieurs trucs, mais je vais commencer par les choses flamboyantes. Alors, j'ai reçu ça, et ce sera donné en cadeau, vendredi, d'accord? Sachant que si je le casse, en fait, vous allez recevoir la version non cassée. Parce que c'est un autre que vous allez recevoir, un autre identique. La fiole d'Ingramus. Voilà. Donc, elle est toute en verre. Elle a été faite par le Cerfav. Donc, avec les petites... je vous la montre mieux comme ça, tu vois. Et elle est vachement belle, elle est lourde, voilà. Elle est vraiment très mignonne. Je pense qu'ils se sont lâchés parce qu'ils ont dit « Faites un truc qu'on vendra jamais de toute façon. » Et c'est une pièce quasiment unique. Parce que quand vous allez la recevoir... eh bien, il n'y en aura qu'une autre qui sera sur la table de Game of Thrones, tu vois. Donc, c'est une œuvre d'art complètement, qui est faite par des apprentis, mais sous l'œil vigilant de leur maître, tu vois. Donc, c'est vraiment un très beau cadeau. Merci le Cerfav. Et je répète, si vous voulez devenir souffleur de verre et faire des choses comme ça, et peut-être même déjeuner de temps en temps avec moi, parce que ça se passe dans l'Est de la France, il y a un internat... selon certaines conditions, la formation elle est payée et vous êtes logé et tout. Et même si vous avez 50 ans, ils cherchent des souffleurs de verre pour vous former, tu vois. Et boulot assuré derrière parce que c'est la Ligue et compagnie, tu vois. Et ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Discord et je vous donnerai le mail de la personne qui s'en occupe. Et il sera ravi de vous montrer où c'est, tu vois. Voilà. Donc, ça c'était cool. Attendez une seconde. Alors ça c'est un calendrier de l'Avent Kinder. Ça, je vais pas vous le donner, c'est moi qui me suis fait ce cadeau. Voilà. Non, alors en fait, c'est inexact parce que vous avez entendu quelqu'un ronchonner. C'est quelqu'un qui m'a fait cruellement ce cadeau en me disant, je t'offre un calendrier de l'Avent avec des chocolats Kinder dedans. On va voir si tu vas tenir jusqu'à 1er décembre pour l'ouvrir. Voilà ce qu'elle a dit. Et elle a dit, ça te changera de ton éducation religieuse où tu avais une image pieuse à chaque jour. C'est vrai que j'avais ça, tu vois, calendrier de l'Avent. Et je sais. Donc, il est là, il me tente, tu vois. Et est-ce que vous avez une relation particulière avec le calendrier de l'Avent, non? Ils disent un peu ce qu'il y a dedans ou pas? Il y a un vrai œuf Kinder. Genre, il y a un gros AFK... Ah ouais! Le 24 décembre, t'as un vrai AFK Kinder. On a des petits Kinder, un chocobon. Putain, si j'ouvre et que j'ai un chocobon, je vais... ça va pas être cool. Hein. Et il y a des cadeaux. Ok, super. Ah, il y en a aussi, il y en a un de derrière. Bon, voilà. Donc... Ouais, alors moi, je connais une personne. Je vais pas dire que c'est mon ex... que j'adore, tu vois, mais c'est une personne, voilà. On va dire que c'est une femme. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle achetait un calendrier de l'Avent, genre chocolat, et elle mangeait tout le premier jour. et elle disait, c'est non seulement tu manges du chocolat et c'est cool, mais en plus t'as la transgression totale du système. Et j'aime bien, tu vois. Bah, je trouvais ça cool. Et ah, Stocomanie, cracra, mais Stocomanie, t'es un mec de Oliul. Voilà. Et il y a un truc que je voulais dire, c'est que... Ah, le mien, il ouvrait le 1er décembre, mais pour me patienter, j'ouvrais... Alizara, meilleure technique. Ah, j'adore, j'adore. Les Kinder Surprise, ouais, bah, j'ai aussi des Kinder Surprise, là, vous voyez. J'ai aussi des Kinder partout. Je sais pas pourquoi. Écoutez, j'ai beaucoup stressé avec cette histoire de live avec Aria et j'ai acheté beaucoup de Kinder. Voilà. Et les calendriers de l'Avent, faut acheter 24 calendriers. Non, on peut acheter simplement 12 calendriers. Comme ça, tu en as un chaque mois. Voilà. Nila Tinivielle, la Suisse. Toutes les années, elle en achète un, mais comme elle est suisse, donc il n'y a pas de chocolat dedans, il y a des trucs français, des petites saucisses, sur ça. J'ouvre les 5 premières cases, ensuite j'oublie et je me retrouve 25 à avoir toutes les cases. Parce que la meuf n'aime pas le chocolat. MJ Story. Non, qu'est-ce que vous dites? De décembre, ouais. Alors, moi, quand j'étais petit, j'avais... J'ai une éducation religieuse. Et, enfin, je sais pas ça, mais effectivement, j'avais un calendrier de l'Avent. Et... donc tu ouvrais le calendrier et t'avais dedans genre un message du Christ, tu vois. Non mais alors ok, c'est pas Jojo, mais moi je veux dire un truc, c'est que j'ai été vachement surpris de voir qu'il y a des gens, ils font, enfin le calendrier de l'Occitane, tu vois, t'ouvres et t'as un parfum l'Occitane. Je veux dire, le calendrier de l'Avent, c'est un truc de Dieu, tu vois, c'est un truc, c'est bizarre. Je veux dire, c'est comme si à ta première communion t'avais la première communion by l'Occitane, tu vois. Je veux dire, c'est bizarre quoi. Ah, merci Crunchy. Donc, oh, Sorel, merci, 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 merci à toi, Sorel. Et non, 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 moi j'avais des vrais cadeaux de Noël, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, alors j'ai fait ma... Alors, je suis pas ultra religieux non plus, enfin, tu vois, moi aujourd'hui, je suis quelqu'un qui te dit... je suis quelqu'un qui dit... qui croit pas forcément en Dieu. J'ose pas trop le dire par superstitieux, tu vois, si toutefois il est là. Mais moi, je vais pas à la messe, tu vois. Je vais avoir le sexe avant le mariage, c'est toute ma vie, tu vois. C'est même un projet de vie. Et enfin, tu vois, la masturbation, enfin voilà. Donc, je suis vraiment pas religieux, mais j'ai fait ma communion, tu vois, et j'ai fait aussi ma confirmation, tu vois. Et enfin. Comment dire, quand on m'a dit tu veux quoi comme cadeau de confirmation, parce qu'on offre des cadeaux, bah, j'ai dit offre-moi une belle Bible, tu vois. Non mais c'est vrai, et j'ai une magnifique Bible chez moi. Mais il faut être thématique. Je veux dire la Bible, tu vas pas. Je voudrais une belle Bible. Et quelle belle Bible, tu vois, bien grosse. Voilà, c'est ça. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des... Enfin, moi, j'ai un cousin, il a fait sa conversion, il a une Nintendo, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Voilà. Ouais, il fallait demander un vélo. Non, non. J'ai demandé une montre, mais t'es suisse. Ah, Kratu, tu viens de t'abonner? Bah non, c'était de l'autre jour, mais maintenant que je peux le partager, c'est pas possible. Ah, bah voilà, super. Une Bible. Non, une Bible, j'en ai pas partout, déjà. Alors, non, j'ai une super... Non, non. En fait, j'ai une Bible... Comment ça s'appelle? J'ai une Bible... Alors, j'ai une Bible portable. Ok. Alors, je suis pas du tout croyant, d'accord? Et la Bible, je trouve ça plutôt chiant. Mais j'ai une Bible, tu vois, parce que c'est toujours sympa de comment ça s'appelle. Vous voyez? Et, ah, j'ai un truc aussi, j'ai le code pénal, là, vous voyez? Mais... Ouais, j'ai fait un podcast, tu vois, donc ça sert pas à rien. Et j'ai une Bible, et de temps en temps, je l'ouvre au hasard. Alors, je sais pas si... est-ce que vous êtes superstitieux ou pas, mais moi, je suis catholique X superstitieux, vous voyez. Non, non, mais dans le sud, vous savez, dans le sud, on a des saints. c'est-à-dire qu'on prie les saints, tu vois. Et le saint, c'est un peu le paganisme, tu vois, du catholicisme. Par exemple, tu perds un objet, tu pries Saint-Antoine de Padoue, hop, tu le retrouves. J'ai déjà dit, hein, tu cherches une place pour te garer, Sainte-Marie-Charlotte, tu vois. Et donc, un truc qu'il ne faut pas faire, c'est à partir du moment où le soleil s'est couché, ouvrir la Bible à un passage au hasard, parce qu'à ce moment-là, c'est le diable qui... c'est le diable qui choisit un passage, tu vois, c'est le diable qui te parle. Si, c'est vrai, je te jure, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Et la seule façon... Oui, c'est le coucher du soleil, exactement. Donc en hiver, t'as plus de soleil. C'est pour ça qu'il vaut mieux... Voilà, il vaut mieux... Alors, si toutefois, je vous donne un truc. Si toutefois, vous n'êtes pas du tout... Si toutefois, vous n'êtes pas... Comment dire? Si toutefois, vous n'êtes pas trop superstitieux, mais vous avez peur qu'on vous a maudit, tu vois. Non mais c'est vrai, t'as des gens ils te maudissent. Non mais tu vois, tout le monde, les gens ils disent, je suis pas superstitieux. Et après ils rencontrent une bohémienne dans la rue qui lui disent, j'ai pas 2 € pour toi. La bohémienne elle te maudit. Et après tu dors mais t'es pas tranquille, tu vois, tu te dis et si elle m'avait maudit, tu vois, j'en sais rien. Vous avez vu Stephen King, La peau sur les os, vous voyez comment c'est. Donc évidemment, voilà. Donc le truc qu'on fait, c'est une technique corse, hein. C'est il faut faire les cornes de métalleux, tu vois, le triton, mais vous les faites vers le bas. Il faut que ça touche la terre, ça part à la terre comme l'électricité. Et normalement, la malédiction, elle est contrée. Mais c'est très important de le faire le plus tôt possible par rapport à la malédiction, voilà. Donc, voilà. Donc, non, je sais pas trop. Non, je sais pas du tout. Alors, Miles Davis, je ne suis pas du tout corse. Et je dois même dire quelque chose, j'ai un bon ami corse. C'est vrai, hein, c'est un mec qui est fan du Seigneur des Anneaux, il le lit une fois par an et il le lit en corse. D'ailleurs, je peux même vous dire que Gandalf en corse, ça se dit Gandalfou. Voilà, comme ça vous le savez. Et donc, ouais, j'ai un bon ami, mais je suis pas du tout corse. Et j'évite les corses, voilà. Parce que les corses, la question... comment ça s'appelle? Question malédiction, ils s'y connaissent. Hein. Bon, c'est pas tout ça. J'ai pas fini. J'adore vous parler de... J'ai jamais fait de théologie. Bon, je suis un théologien amateur, on va dire. Alors... Je suis théologue de mes propres croyances. Alors, le bois des kobolds m'a envoyé... un truc, je crois qu'il envoie ça un peu à tous les actuels play. C'est une tour AD, ce sera à gagner. Hein. Donc en gros, c'est un plateau et c'est une tour AD. C'est cool. Ah non, c'est à l'envers, je le mets à l'envers, excusez-moi. C'est vachement joli, hein, c'est super bien fait. Donc, c'est comme ça. Et donc en gros, tu mets ton dé et il coulisse. Attends, j'ai pas de dé, c'est pas grave. Non, non, c'est bon, c'est bon. Alors on va faire la démonstration. Voilà. Hop, c'est beau ça. Oh là, et là il est tombé là, voilà, magnifique. Et donc on a fait 14 sur 24 parce que c'est un dé à 24 faces, je vous demande pas. Donc c'est pas mal, il s'appelle le bois des kobolds si vous en voulez un, mais il y en aura un à gagner dans Game of Thrones. Et en fait, j'aurais dit, je suis pas ultra fan des tours à dés en fait. Je trouve que c'est un bel accessoire mais ça participe pas au gameplay, tu vois. Moi j'aime bien quand on se fait chier à faire un truc qui participe au gameplay. Donc ensemble on a créé un truc qui est plutôt cool. C'est 2 dés. Donc vous voyez, là on a un dé en bois et un dé... En fait, il y a plusieurs problèmes. C'est qu'aussi, je peux pas utiliser ça en plateau pour diverses raisons de... Enfin, bref. Par contre, on peut utiliser ces dés-là. Donc j'ai un dé en bois normal, vachement cool. Ça s'appelle le bois des kobolds. Comme un kobold. Vous voyez ce que c'est? C'est un petit elfe. Voilà. Et donc ça c'est 2 dés et dans un, regardez celui-là il est asymétrique, vous voyez. Il est rhomboïdal, voilà, si vous voulez vraiment la définition. Et ce qui est intéressant c'est que ces 2 dés sont asymétriques, c'est-à-dire que il y a genre une chance sur 8 qui tombe sur la bonne face. Et ça c'est assez intéressant parce que c'est veux-tu lancer le dé maudit. Donc tu vois, par exemple, lance le dé et si tu tombes sur la mauvaise passe, eh ben t'es maudit, tu vois. Voilà, je trouve ça vachement intéressant. Pourquoi je peux pas les utiliser en plateau? Parce que, alors aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, attends, je reviens. Alors, ça s'appelle le bois des kobolds, c'est un super menuisier. Ils sont vachement sympas, vachement, voilà. Donc, il y en aura un à gagner très bientôt, peut-être même vendredi. Donc, pourquoi on... Alors, en plateau, on a... figurez-vous que quand on a commencé Game of Thrones, j'ai acheté un vieux truc dans un magasin pourri qui s'appelle... Enfin, c'est pas Pierre Import, mais c'est un truc comme ça, tu vois. Un vieux truc de déco. Genre, c'est un tableau sur lequel il est marqué... vie, M, mange, prix, tu vois, un truc comme ça, débile. Et nous, en fait, on le retourne et on lance les dés de l'autre côté. Et on s'est dit, TKT, un jour, on aura de la thune, tu vois, de la grosse thune, et on pourra faire des trucs, des beaux plateaux comme celui du Bois des kobolds, j'en fais de la... Voilà. Et tous les plateaux qu'on a essayés, tous, ils ne marchent pas. Il n'y a que celui-là, le pire rapport. Il y a toujours un problème de couleur, de bruit, voilà. Donc, même dans des plateaux pro et tout, ça n'a jamais marché. Donc, on a gardé notre bon vieux plateau. Et le deuxième truc, c'est que maintenant, à cause des contraintes Covid, on est vraiment à 1 mètre les uns des autres. C'est pour ça que je joue sans écran maintenant. Et la tour AD, elle pose le problème de il faut porter la main, tu vois, il faut se lever et jeter le dé dans une tour. Et donc, voilà, il n'y a pas ce... Tu vois, là, les mecs, vous ne le voyez pas, mais ils lancent les dés en mode on va essayer de le faire tomber dans le plateau, tu vois, et voilà. Bon... bref, Madame Tigresse, mais tout le monde la connaît. Bref, donc est-ce que j'ai d'autres cadeaux à vous montrer? Ouais, j'ai reçu un autre truc encore. Alors, ça s'appelle 27C. Dark coopératif narratif. 27C est un jeu dans lequel les joueurs incarnent les fragments d'un personnage éponyme. Ils se meuvent sous forme d'ombre. L'objectif est de protéger 27C et de l'accompagner dans sa quête de mémoire. Donc en jouant... On garde un mystérieux personnage, c'est très dark, voilà, c'est pas mal. En tout cas, la forme est belle. Et ce sera gagné, alors pas ce vendredi, mais un vendredi prochain. Voilà. Et donc, ensuite, voilà, ben voilà pour les cadeaux, en fait. Je voulais pas vous en parler plus. Je vérifie que j'ai bien tout dit. Yes, est-ce que vous dormez bien en ce moment ou pas? Je voulais parler un peu sommeil. Parce que tout le monde est jeune en payant. Alors, j'aime pas trop comment on dit ça. C'est tout le monde est jeune en dark. Voilà. Et. Non, je vous maudis pas. Non, c'est. Enfin, par contre, bienveillance, s'il vous plaît. Voilà. J'étais un peu triste aujourd'hui parce que. J'ai posé. Mais on verra ça, on en parlera tout à l'heure. Mais bon, bref. Donc, Acodix fait des cauchemars un peu violents. Mon secret anti-cauchemar, ne pas manger le soir. Alors, parfaitement, bizarrement. Dr Win dort parfaitement. Dim 2, je dors toujours très bien depuis toujours. Alors les gens qui dorment bien, souvent, c'est des gens qui prennent pas l'habitude de noter leurs rêves, tout ça. C'est pas grave. Junko, non, mais à cause des médocs asthme. Ah oui, les médicaments contre l'asthme, d'accord. Pas super les nuits pour Lisa N. Darvec là, il dort plutôt comme une souche. Sylvéric, il fait des rêves super chelous. J'ai la flemme de pas faire un truc, alors je dors peu. J'ai la flemme de pas faire un truc, donc je dors peu. Je vois pas la logique, mais... Marty 7, il a une fille, donc elle le réveille toutes les nuits. Bon, ça c'est... Maharaja dort 1000 fois mieux l'hiver que l'été. Bah, c'est sûr que... Alors, de toute façon, quand t'es dans le noir, en général, tu dors mieux, tu vois. Si effectivement... Moi j'adore l'été, mais effectivement, il y a un truc, c'est que l'été, même quand t'as vraiment les volets fermés, tout ça, à 6 h du matin, tu sais, t'as le soleil à fond, là, tu vois, qui te réveille, donc bon, t'as pas trop envie de dormir. Je rêve 1 ou 2 fois par an, nous dit Dr Winnie. Ah, il se souvient chaque matin de son dernier rêve. D'accord, ok, excuse-moi. La belette dort bien. Je dors beaucoup trop, mais je dors moins en ce moment. Alizara a un matelas pourri en ce moment. J'espère que c'est pas un Casper. Je n'arrive plus à me souvenir de mes rêves. Je fais des cauchemars, nous dit Ezrael Madrid. Céline Tech dort de manière aléatoire. Alors, moi... alors, c'est marrant, Panachon dit un truc, j'ai lu un article qui disait que le gène de libération est encore présent dans l'être humain et qu'en principe, on pourrait hiberner. Alors, j'ai une vraie histoire à vous raconter. Donc, j'ai une partie de ma famille qui vient, je dis pudiquement, de Rouen ou de Saint-Étienne, mais en fait, en vrai, ils vivent un patelin de 100 personnes en plein milieu des monts d'Auvergne, dans la forêt primitive, là, les Bois Noirs s'appellent. Genre un endroit où t'as même pas le edge, t'as rien, tu vois, c'est pas connecté, t'as rien, t'as même pas un mec en mobilette qui passe dans la rue, et la rue elle est en terre, tu vois, voilà où ils habitent. Et ils habitent au milieu des bois, tu vois. Et en fait, c'est vraiment des paysans, purs paysans qui sont là-bas. Et il y avait, quand j'étais tout petit, donc c'était au moins il y a 40 ans, on va dire 35 ans, il y avait un mec dans le village, quand l'automne arrivait, il mangeait comme un ours, il mangeait énormément. Il mangeait. Et au début de l'hiver, le mec, il se mettait au lit, il faisait plus rien. Et il se réveillait tous les 3 jours pour boire, manger, pisser, et hop, il dormait, tu vois. Et il faisait ça pendant l'hiver tout entier. Il y a des gens, ils hibernaient littéralement, tu vois, c'est assez incroyable. C'est la vraie histoire sans presque le vrai mensonge. Mais ouais, non, c'est assez dingue, hein. Et alors, pour parler de moi, puisque quand même, je vais pas passer ma vie à parler de vous, hein, quand même. La forêt mystérieuse, non, les bois noirs, ils existent vraiment. Et les bois noirs, c'est une... Alors, il y a... Les experts vont vous dire, non, Fibre, tu dis n'importe quoi, point. C'est avant de se casser et de me bannir. Ils disent, il n'y a pas de forêt primitive en France. Eh ben non, les bois noirs, voilà, c'est une forêt primitive. Ok. Les forêts primitives, c'est des forêts assez rares. C'est des forêts qui n'ont jamais été coupées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de forêts ne sont pas primitives. C'est-à-dire que ce sont des forêts qui ont été, au moins une fois dans l'histoire, coupées. Et hop, il y a des arbres qui ont repoussé parce que c'est no man's land, tu vois. Mais voilà. Bref, tout ça pour vous dire que moi, j'étais très stressé pour le live. Voilà. J'étais hyper stressé pour le live. Mais j'étais en forme. Et la nuit qui a précédé, la nuit qui a suivi le live, j'ai eu beaucoup de mal à dormir parce que j'étais fatigué. C'est-à-dire que mon cerveau tourne à toute vitesse. Et le lendemain, samedi soir, pareil, tu sais, samedi soir, je me dis, oh putain, je vais me faire la bonne petite nuit de 12h, je me mets au lit à 22h, et à 22h, impossible de dormir. Ça va dans tous les sens dans ma tête. J'étais trop crevé pour dormir, tu vois. Et là, enfin, hier, ça y est, là, je me suis fait une petite nuit de 11h, ça va mieux, mais là, j'ai hâte de me rendormir encore. Les bois noirs, exactement. Pourquoi t'as mis ce message en avant? Les bois noirs. La Sainte-Baume est une des rares forêts. Ben voilà, c'est là, Onyxfen. Voilà, Onyxfen, j'ai envie de te faire un high five. La Sainte-Baume, alors ça s'écrit pas comme ça, mais si ça s'écrit peut-être comme ça, je sais pas. Mais la Sainte-Baume, enfin, il y a des forêts primitives en France, voilà. Dans la Sainte-Baume, il y a une Vierge noire, voilà. Donc, est-ce que c'était la pleine lune? La mer noire? Non. Bref, tout ça pour vous dire que j'espère bien dormir à nouveau, mais j'ai l'impression que... Enfin, je me sens complètement débordé parce que j'ai besoin de dormir et j'ai besoin de faire ce que j'ai à faire et voilà. Un truc de religieux, ouais, la grotte, il y a une Vierge noire, tout à fait. Mais même à la Sainte-Baume, il y a des animaux sauvages et si vous avez le courage, mais c'est illégal, hein, si vous avez le courage, vous allez fureter dans les bois qui sont autour de la Sainte-Baume à vos risques et périls parce qu'il y a des sangliers partout. Et il y a plein de... En fait, c'était un lieu de grande religion à l'époque. Et il y a des statuettes moyenâgeuses que vous pouvez trouver dans le sol, tout ça. Voilà. Ça s'écrit comme ça, je suis botaniste. Désolé, Onyxfen, excuse-moi. La Sainte-Baume. Voilà. Ah, tu es botaniste? Oh là là, tu sais que j'ai une passion botaniste de ouf, à un moment. Et parce que j'ai, alors tu me connais pas, mais tu connais pas mon passé, mais j'ai fait un jeu qui s'appelle Maspero Blue dans lequel on génère des plantes. Et donc, j'étais fasciné, j'ai découvert les plantes hépatiques, voilà, qui se reproduisent en gemmes. Ah, Sainte-Baume, ah d'accord, on est d'accord, merci, super. Voilà, Sainte-Baume, je me disais aussi. Avec un, il n'y a pas de, c'est pas la Sainte-Baume, B-O accent je pensais pas que c'était la Sainte-Baume. Voilà. La Sainte-Baume, si un jour vous allez dans le sud, par exemple vous allez à, pas Marseille, mais plutôt Aix, Toulon, Nice, vous passez devant, c'est une grande barre, c'est pas la Sainte-Victoire, mais c'est une grande barre, ça se voit bien. Voilà. Et... Archéobotaniste, ah, c'est intéressant. Comme dans Siduri, des plantes gemmes. Non, 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 ça n'a rien à voir. Siduri, c'est une plante, imaginaire basée sur le cycle du silicium. Mais les plantes hépatiques, donc c'est ni des fougères, ni des mousses, ni des plantes normales, tu vois. C'est des plantes qui ressemblent à du foie. C'est pour ça qu'on les appelle hépatiques, c'est-à-dire qu'elles ont des lobes. Et elles se reproduisent en gemmes, donc c'est pas du tout des cailloux, mais c'est des agrégats de cellules qui se poussent dans le vent. Voilà. Donc, bon, ouais, je suis désolé de vous faire chier avec de la botanique. J'adore ça, moi. Moi alors, les plantes, comme les animaux, j'aime pas en avoir chez moi, mais je suis fasciné par ça. Et je vous ai raconté la fois, non, je vous ai raconté la fois où j'ai vu une plante qui avait 3 ADN dedans, là. Bref. Et en ce moment, à certains botaniques de Nancy, si vous aimez la botanique, et si vous habitez dans l'Est, Il y a une expo Playmobil et plantes, voilà. Donc, toute connaissance est bonne à prendre. Est-ce que je pourrais vous dire... J'aime bien les plantes... Comment on appelle ça, les plantes qui sont sensibles, qui se referment par homéostasie, là? Sensitives. Il y a des plantes, et donc il y a des plantes qui s'appellent les plantes sensitives. Alors, c'est pas... Mimosa pudica. Voilà, le Mimosa pudica. Pudica qui veut dire timide. Il y a une plante qui s'appelle le Mimosa pudica, donc c'est une plante... imaginez une fougère avec une tige centrale et des petits brins comme ça. Et quand vous l'effleurez, elle se referme, mais tout de suite, tu vois, comme ça. Et elle est timide, la Mimosa pudica. Ah, mais alors les cerisiers bicolores, ça arrive souvent, hein. C'est assez marrant. Voilà. Ben moi aussi, je pensais que MJ Story qui avait pas... Alors, ça dépend. Pour la question des forêts primaires, ben, je dis primitive, mais en fait, c'est primaire exactement. Les forêts primaires, c'est un débat. C'est-à-dire que je rencontre des gars, je dis, ouais, j'habite à côté d'une forêt primaire, voilà. Les mecs, ils disent, ben, désolé, il n'y a pas de forêt primaire en France, il n'y en a pas, tu vois. Et il y en a comme vous qui disent, à la Sainte-Baume, il y en a, tu vois. Donc, voilà, je sais pas, mais... Ah, mais j'aime bien, moi j'aime bien les fougères. Après les fougères ça fait un peu chier et je trouve que les sports c'est un peu flippant. Mais j'aime bien les fougères. J'aime bien les mousses aussi. Les mousses, vous savez on dit ouais c'est une mousse, c'est de la mousse tu vois. Et en fait les mousses, donc la mousse verte, la mousse végétale, en fait quand tu regardes il y a plein de mousses. Tu vois, il y a des mousses qui ont des petites spatules comme le persil. T'as des mousses jaunes, t'as des mousses bleues, tu vois. T'as vraiment des tas de trucs. Enfin c'est inimaginable la diversité. La diversité des plantes. Est-ce que je vais mini anecdote plante. Est-ce que vous avez entendu l'anecdote de l'Américain qui s'est vengé parce qu'on avait coupé son poivrier ou pas? Ça vous dit quelque chose? C'est vraiment une histoire. C'est dommage que le mec il l'ait raconté sur son blog parce qu'elle est tellement bien. Ça aurait été un film incroyable. Voilà. Alors il y a une personne qui la connaît. Ouais, je l'ai raconté déjà. D'accord. Désolé. Je suis désolé. Donc est-ce que vous voulez que je vous raconte cette histoire ou est-ce que vous voulez qu'on passe au prochain truc? Mais toi, tu la connais cette histoire? Oui, mais elle est cool. T'as envie que je te raconte une histoire que tu connais? Non, mais je pense que ça serait bien. On dirait mon petit neveu. À tes 210 viewers. C'est un botaniste qui vit au milieu de l'Amérique et il aimait beaucoup un poivrier. Alors c'est pas le buisson poivrier qu'on a en France, c'est un autre type d'arbre. C'est un poivrier, il avait même donné un nom, il se l'appelait genre Ralph, tu vois. Et un jour, parce que le poivrier, il dépassait un petit peu sur la voie publique, la mairie veut le couper. Alors il dit, écoutez, s'il vous plaît, je suis botaniste, j'adore ce poivrier, c'est un bel arbre, tout ça, ne le coupez pas. Il fait les démarches, tout ça, et en fait... catastrophe, il coupe le poivrier. Il est fou de rage. Et il décide de se venger. Et pour se venger, il a fait un truc vachement drôle. C'est qu'il a pris des graines de séquoia. Et dans le moindre interstice de trottoir, le moindre trou dans la ville, tu vois, tous les soirs, il plantait des séquoias partout. Et il dit, dans 5 ans, les séquoias, ils vont pousser, ils vont défoncer la ville. Et en plus, les séquoias, leurs racines s'étendent sous la ville et elles se mêlent comme ça. Et ça va être impossible de les enlever. C'est-à-dire qu'il y aura une forêt géante de partout et ça va défoncer partout. Tu vois, il s'est vengé. Non, mais je trouve ça génial. C'est une idée incroyable, tu vois. Donc, je trouve que... voilà, il attend son heure. Voilà, je sais pas ce qui va se passer. J'ai peur que malheureusement, ils utilisent de l'acide, tout ça, les Américains... Les Américains, ils ont peur de rien. D'ailleurs, la première fois que je suis allé à New York, je racontais un truc sur à New York. Donc, je vais à New York pour la première fois de ma vie. Enfin, j'y suis allé de temps en temps pour des correspondances. Mais ce jour-là, je revenais de 2 mois et demi de Las Vegas, où je venais de perdre 15 kilos. Et j'avais vraiment vécu 2 mois et demi en immersion totale avec des mecs qui ont un sale accent, tu vois. Et je rentre dans un taxi, je donne l'adresse et le mec il se retourne et il me comprend pas trop, tu vois. Alors moi je dis ah merde, je croyais que je parlais bien américain et en fait pas du tout. Et en fait le mec il écoute FIP Radio et je lui dis mais pourquoi? Et il dit et en fait le mec c'est un français, c'est pas un jamaïcain, c'est un comment s'appelle un haïtien qui parle vachement bien français, qui est vachement dans la culture française. Ah mais je suis français, voilà tu vois. Ça c'était drôle. Et quand je suis arrivé à New York, je me souviens de 2 trucs. C'est que les immeubles étaient tellement grands que tu sais quand tu regardes par la fenêtre, je voyais pas le haut. Ça c'était assez impressionnant. Et le deuxième truc, c'est que les bouches d'égout fumaient, comme dans les films. Et j'ai jamais su si c'était... Et comme c'était en été, tu vois, ma théorie, c'est qu'ils mettent de l'azote liquide dans les bouches d'égout. Je sais pas si c'est vrai, mais je crois avoir vu genre des trucs, des bouteilles d'azote liquide dans les égouts, genre pour les désinfecter, tu vois. Et je sais pas si c'est ça. Donc, bref. Ah non, mais c'est totalement vrai, hein, l'histoire du séquoia. Tapez poivre... Enfin, je sais pas comment on dit poivrier en anglais, mais enfin, traduisez Google Trad poivrier... l'arbre en truc, ensuite vous mettez poivrier vengeance et vous tomberez sur l'article, il y a eu plein d'articles dessus. Donc je sais pas trop. Les racines horizontales, ouais, ça c'est pas... Donc tout ça pour vous dire que je dors bien, je vais bien dormir, mais du coup je me suis littéralement réveillé à 10h, levé... Alors pourquoi je dors bien aussi? J'ai une couverture lestée, voilà. Alors, donc c'est une couverture qui tient pas chaud, mais qui est lourde. Ça, j'en ai déjà parlé. Et je dors hyper bien. En fait, la couverture lestée, c'est comme si tu avais quelqu'un qui te faisait un câlin tout le temps, mais sans les... Enfin, tu vois, quand quelqu'un te fait un câlin et que tu dors, imagine une vraie personne. Genre, une vraie personne qui fait un câlin. Hein? Imaginons qu'elle existe. Imaginons cette personne. Eh ben, t'as des avantages, c'est que parfois, elle a un corps qui est chaud et toi aussi, et du coup, ça transpire. Parfois, elle a les cheveux longs, parce que je dis elle, parce que j'aimerais bien que la personne qui me fasse un câlin soit plutôt une femme. Tu sais, elle a des cheveux donc partout, tu vois. Elle respire, tu vois. Parfois même elle ronfle, tu vois. Donc, vous allez me dire à ce moment-là, autant le mieux c'est d'avoir un cadavre, mais bon, on s'éloigne du sujet. Tout ça pour vous dire que là, on a tous les avantages du câlin sans avoir les désavantages de l'être humain qui va avec. Donc, c'est la couverture lestée qui te câline toute la nuit. Et je dors hyper bien. C'est vraiment fantastique. Voilà. Je dors comme un bébé. Et voilà. Ouais, ça se voit un peu partout. Et il se trouve que, en plus, ayant mal estimé... Alors, il faut prendre une couverture qui soit le 10e de ton poids. Et me trouvant particulièrement svelte et sportif, la personne de mon couple qui m'a fait ce très beau cadeau a sous-estimé mon poids. Donc, j'ai une couverture lestée, mais pas too much. Sachant que la personne de mon couple, quand il y a genre 1 cm² de couverture lestée qui est sur sa zone de lit qui est complètement délimitée, là, j'ai droit au scandale parce qu'elle est trop lourde, j'arrive pas à respirer, voilà. Donc, bref... toujours est-il que c'est vachement bien, je dors hyper bien, et si vous aimez les câlins pour dormir, je pense que j'aurais appelé ça la câlin couverture, tu vois, plus que la couverture lestée, mais vraiment c'est cool. Bref, quelle marque la couverture? C'était quoi? C'était Bedsure, c'est ça? B-E-D-S-U-R-E. Voilà. Alors d'ailleurs, je dois vous dire quelque chose, je suis pas aussi sensible aux publicités qu'une personne de mon couple. Mais beaucoup de gens ont parlé du Sweat plaid. Vous voyez ce que c'est le Sweat plaid ou pas? J'en ai acheté 2. Hein. Le Sweat plaid, c'est un... En fait, le Sweat plaid, c'est voilà, un... Il faut que je vous le montre. Il n'y a pas le choix. Je vais vous montrer le Sweat plaid. Non, parce que ça se prononce... Ça s'écrit Sweat... Ah non, Sweat plaid, exactement. Autant pour moi. Oh là là, ok. C'est bon, attends, je vais sur Wish. Non, c'est vrai, non, mais tu fais bien de me corriger. Voilà. Attends, copier l'adresse de l'image. Voilà, je la mets là. Bam, 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 bam. Voilà, attendez. Je la mets en plein écran et je vais passer sur mon overlay. Est-ce que vous voyez le Sweat plaid là? Putain, j'ai mon truc d'imprimante là, voilà. Allez, casse-toi. Donc en gros c'est un sweat polaire réversible. Vous le voyez pas? Vous voyez quoi? Hein? Et ça vous le voyez pas? Vous voyez pas un écran avec le sweat plaid? Ok, je comprends pas. Ah bah ouais. Ouais, ok. Donc là on voit c'est quoi? C'est bon, personne le voit, c'est pas grave. Donc, attendez. Bon, c'est pas grave. Vous tapez Sweat plaid. Et donc, l'idée, c'est... vous avez un... Ah, mais... ah, vous voyez? Ok. Donc, en gros, ouais, spectre de l'âne. Ah, ben si, vous voyez, il voit. Voilà, il n'y a que ma femme qui voit pas. Très bien. Ah, ça y est. Ouais, ouais. Donc, l'idée, c'est ouais, c'est comme une Jellaba en polaire. Et je pense que dès que je l'ai... Alors, malheureusement, alors, dès que je l'ai, je la mettrai tout le temps. Je vivrai dedans tout le temps. Voilà. Et je serai à une sorte de gros fantôme. J'ai même envie d'aller au casino avec ou à la banque avec, tu vois. Genre, de toute façon, à la poste, ils me respectent pas et à la banque non plus. Donc, autant qu'ils me respectent pas du tout, tu vois. Voilà. Exactement. Et donc... Et il est réversible parce que c'est du polaire dedans, mais si t'as trop chaud et que t'aimes bien la fourrure synthétique, tu peux le réverser et vivre dedans. Donc, en fait, pourquoi j'ai acheté un sweat plaid? Parce que je l'ai pas pris le rose, j'ai pris le bleu, je crois. Parce que il y a eu un scandale, c'est que les gens disaient ah c'est trop bien, achetez-le là, et c'était du dropshipping. C'est-à-dire genre ils le vendaient 50 balles et sur Wish il a 17, voilà. Donc j'ai pris et donc j'aurais dû prendre le rose, c'est vrai. Et donc le sweat plaid, malheureusement comme je l'ai acheté sur Wish, alors maintenant Wish ils baissent les prix mais ils augmentent les trucs de livraison, les frais de livraison. Ça m'a coûté 11 € de frais de livraison cette merde. Et donc ça commence à être un peu cher. Cela dit, je l'aurai le 18 novembre, donc c'est pas demain la veille, mais ce sera cool quand même. Dans un mois j'aurai ça et je pense que je le porterai tout le temps. Voilà. Donc je suis hyper content d'avoir ça. Et je voulais vous dire autre chose, c'est que j'ai quand même beaucoup de travail et je fais beaucoup de merde tous les jours. Je fais beaucoup de choses qui, sont, pas glorieuses, on va dire. Par exemple, je fais ma lessive, mais ça je peux pas y couper parce que c'est pour les biens du couple, tu vois, et où je me fais à manger, tu vois. Mais il y a des trucs, que je fais, comme répondre à des mecs, tout ça. Non, répondre c'est bien. Qu'est-ce que je fais qui est pas bien? Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui on m'a demandé mon CV, donc j'ai dû faire un CV. Et ça m'a cassé les burnes de faire ça, tu vois. Et je me suis dit, je contemple l'idée. Salut Baraja, je contemple l'idée d'embaucher un quoi de décalage. Je contemple l'idée de d'embaucher un assistant ou une assistante, voilà. Et voilà, donc qui ferait puis finalement j'ai goûté en fait j'ai goûté à la délégation avec au fait de déléguer les choses avec première fois de ma vie d'ailleurs je déléguais quelque chose avec l'équipe d'écriture de Game of Thrones et maintenant j'ai envie de tout déléguer, tu vois. J'ai envie de garder que les trucs sympas à faire, voilà. Donc assistante administrative, alors n'exagérons pas. Alors assistante administrative, je sais pas trop parce que j'ai pas trop besoin. Mais attends, je veux vraiment mon Excel. Je vais vous dire ce que j'ai fait qui sert à rien aujourd'hui. Non, par exemple, répondre aux... Alors il y a un truc, par exemple, j'aimerais bien répondre à tous les DM Insta. J'ai trop de DM Insta. J'ai genre 4 DM sur Twitter, donc ça c'est facile à faire. Mais DM Insta, j'en ai trop, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je suis allé à la poste, ça m'a fait chier. J'ai dû organiser la récupération du matériel. Du jeu de rôle pour l'envoyer à Webédia. J'ai dû écrire à des mecs pour leur dire simplement est-ce que le projet avance, tu vois, mais sinon j'aurais jamais su. J'ai renouvelé un abonnement Google. J'ai comment ça s'appelle, j'ai organisé la relecture du tome 1 de Aria. Voilà, donc j'ai fait des tas de trucs et ça m'a trop cassé les burnes parce qu'en fait j'aurais pu le faire, enfin il n'y a pas besoin que ce soit moi qui le fasse, tu vois. Oui, Céline Tech. Mais moi, Céline Tech, le problème, je te prendrais bien en assistante administrative, Céline Tech. Mais le problème, c'est que tu écris bien, donc je te garde en écriture. Tu peux pas tout faire, voilà. Donc, est-ce que je prends pas... Mais en fait, je pense que je pourrais, par exemple, soit dormir, j'ai vraiment besoin de dormir en ce moment, soit je joue à... ou je stream, tu vois. Je pourrais streamer. Et ce serait cool, tu en parlerais, ça me ferait du gros hacking. Et parce que je peux pas prendre quelqu'un pour streamer à ma place. Ou alors, ce qui serait cool, c'est que je prends genre Samora, vous voyez que c'est. J'ai toujours cette blague. J'ai vraiment envie de prendre quelqu'un qui me ressemble pas du tout, le mettre là et dire salut, c'est Fibre. Il parle, tu vois. Et il dit mais si, je suis Fibre, tu vois. Donc bref, donc il me faut. Est-ce qu'il me faut une... Non, pas forcément quelqu'un à Bar-le-Duc, tout à fait. Mais ouais. Alors c'est marrant parce que j'ai fait un CV, je vous le dis à vous, hein, mais ne le dites pas à tout le monde. J'ai menti sur tout le CV. tout le CV. J'ai dit n'importe quoi. J'ai grossi tous les chiffres. J'ai vraiment... même, à la fin, j'ai même mis une citation d'un livre qui n'existe pas. J'ai mis la citation du style Fibre Tigre est le plus incroyable des auteurs de fiction interactive, signé machin, dans ce livre-là. Ils n'existent pas. Voilà. Non, mais on s'en fout. Et alors, le mec, il va faire quoi? Il va pas m'embaucher? Bah, ça me fera moins de travail, tu vois. Non, mais en fait, moi, je suis auteur de fiction. Donc, si le mec, il me dit, vous avez menti dans votre CV, je dirais, je suis auteur de fiction. C'est quoi ton problème? Tu voulais que je te dise la vérité? Embauche un journaliste, tu vois. Voilà, c'est ça. Non, c'est marrant parce que j'ai fait une conférence sur la fiction, c'était à Rennes. Et j'avais eu une grosse citation de Stanley Kubrick qui s'appelle « L'important, c'est la part obscure de l'imagination ». Ça veut dire quoi? Quand Stanley Kubrick dit ça, c'est que c'est intéressant, par exemple, dans les narrations à la Dark Souls, que tu laisses des pans vides dans ton univers, même s'il est cohérent, tu vois, tu fais en sorte de ne pas tout dire. Comme ça, les joueurs ou les lecteurs ou les spectateurs, ils comblent ça avec leur propre imagination et du coup, ils s'approprient vraiment le truc. Ça, c'est un truc très important, tu vois. Et donc, je mets ça. Et en fait, cette phrase n'est pas du tout de Stanley Kubrick, je l'ai inventée, tu vois. Et deuxième slide, quand j'ai fait ça, je dis deuxième slide, c'était sur « Vous n'êtes pas obligé de dire la vérité » et c'était la phrase précédente, c'est pas du tout Stanley Kubrick qui l'a dit. Donc voilà, bref. Et ouais, le profil LinkedIn, il est rigolo, quoi. Donc, c'est... non, mais c'est ça... alors, dans une autre vie, j'ai recruté, j'en ai déjà parlé, mais je le redis, dans une autre vie, j'ai recruté des commerciaux. Et un jour, je recrute un commercial, mais je l'ai déjà dit ça. Je recrute un commercial, mais je le dis. Je recrute un commercial, et le mec, il dit bac S, son truc. C'est bizarre de faire un bac S, tu vois, bac S mentionne très bien, et de terminer commercial. Et je lui dis, vraiment, vous avez eu bac S? Et là, il me dit presque. Et en vrai, c'est un super commercial, le mec. C'est génial. Le mec, enfin, c'est OK, vous avez le job, tu vois. C'est incroyable. C'est... je trouve ça trop marrant. Donc voilà. Et c'est là qu'il ne faut pas être con. Tu vois, il ne faut pas dire, il m'a menti, je voulais trop un back-ass, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est rigolo. Donc je pense que je vous en reparlerai régulièrement. J'ai besoin de quelqu'un pour m'assister dans la vie. Et alors, je voulais une assistante, tu vois. Et ma femme a dit plutôt, et pourquoi pas un assistant, tu vois. Voilà. Donc... voilà. Est-ce que je l'ai embauché? Je ne dirais pas. Voilà, si je l'ai embauché, je laisse la part obscure de l'imagination travailler. Alors sinon, j'ai autre chose à vous dire qui est rigolo. Donc sur le Discord, vous pouvez aller. Donc le Discord de Fibre Tigre, vous faites point d'exclamation Discord. Tous les jours, sur le Discord de Fibre Tigre, on pose la question du jour. Voilà. En plus, je fais un petit @everyone, donc personne ne peut la dodge. Et la question du jour sur le Discord, on va faire ensemble et ensuite on va analyser leur truc. C'est aidons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres. Et est-ce que vous avez lu un livre un peu épais? Regardez une série qui a vraiment en fat d'épisodes. Jouez à un jeu vidéo hyper long, tu vois. Et en vrai, vous l'avez fait en entier et vous avez dit, mais putain, j'ai trop perdu mon temps, ça sert à rien, tu vois. Est-ce que ça vous est déjà arrivé avec un truc? Alors, il y a des controverses. Par exemple, il y a quelqu'un qui a dit Lost. Moi, je serais d'accord avec cette personne. Mais il y a d'autres personnes qui a dit non, pas du tout. Lost, c'est vachement bien. Donc, il faudrait qu'on tombe d'accord sur des trucs. Par exemple, il y avait un consensus sur l'épée de vérité. Il y a vraiment des gens qui ont dit, j'ai lu l'épée de vérité de bout en bout et je me suis fait grave chier. J'ai vu aussi des gens qui ont dit ça de la Belgariade. Alors, la Belgariade, je ne pourrais pas dire ça parce que d'une part, j'ai un peu kiffé à lire. Et je connais des gens qui aiment beaucoup la Belgariade. Donc ça, c'est pas trop, tu vois. Mais donc Game of Thrones. Alors Game of Thrones, je crois pas qu'on puisse dire Game of Thrones que... je trouve que c'est un peu du sommisme de dire Game of Thrones, j'ai trop perdu mon temps. Parce que les gens, ils ont aimé Game of Thrones en vrai. Ils ont pas aimé la fin, mais ils ont aimé. Twitter. Ah, Twitter, c'est vrai que t'en perds, mais Twitter, l'homme enragé d'Albert Camus. Alors la Belgariade. Ah, bah il y a quelqu'un qui a aimé l'épée. Il faudrait qu'on trouve, vraiment le consensus. L'œuvre chiante, tout le monde est d'accord, tu vois. Ouais, Game of Thrones, la fin est rushée. Ouais, je suis d'accord, mais Game of Thrones, après ce que ça a été, tu peux pas dire, tu vois. Même Marvel, moi Marvel, je trouve ça chiantissime. J'ai arrêté à X-Men, tu vois. Je sais même pas si X-Men c'est Marvel, mais bon. Et mais Marvel, tu peux pas dire que c'est, enfin c'est un phénomène, tu vois. Voilà. J'ai revu tout Smallville. Game of Thrones. Bah, il y a quelqu'un qui a répondu Game of Thrones saison 4, ça m'a fait de la peine, hein, je peux te dire. Après, je dis, bah, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais c'est toujours. C'est tellement dur, tu sais, tu fais une émission et t'as des mecs qui te donnent des petites claques tout le temps, là. The Irishman. The Irishman, ça, c'est intéressant. La grande. Non, Fitgard, La Grande Vadrouille, tu peux trouver ça chiant, mais il y a des tas de gens, c'est leur film culte, tu vois. X-Men, c'est Marvel, mais les films étaient produits par la Fox. Non, je banne pas les gens. Non, il faut qu'on ait une diversité d'opinions. Voilà. Jupiter Ascending, c'est un bon... Jupiter Ascending, il faut vraiment, je pense, avoir une démarche intellectuelle un peu perverse pour aimer Jupiter Ascending. Parce que, je vais pas dire que je l'ai aimé. Je l'ai trouvé vraiment ridicule de bout en bout. Il y a vraiment des passages où j'ai dit, putain, mais ce film aurait pu être génial, ça aurait pu être le nouveau Dune, quoi. Et visuellement, il arrache, mais vraiment, il est pas bien, quoi. Il est pas bien. C'est la jeunesse d'une conversation cool, hein. La trilogie Le Hobbit, le film, la trilogie du Hobbit, ouais, c'était un peu long en vrai, c'était long. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un super cut du Hobbit, genre les 3 Hobbits en un seul film qui dure 1h30, ce serait super. Mais le film Assassin's Creed, j'ai pas vu. Your Name, ah non, Your Name, tu peux pas. Your Name, il y a vachement de gens qui ont aimé, hein. Le débat, c'est quelle est l'œuvre que tu l'as lue ou tu l'as regardée en entier, t'as dit vraiment j'ai perdu mon temps. Il faut en essayer de trouver un consensus. Le Hobbit, j'avoue que le Hobbit... Non, les derniers Star Wars, j'ai aimé. Le Hobbit, vraiment... Est-ce qu'il y a des gens ici, est-ce qu'il y a des gens sur le chat qui disent non, la trilogie Le Hobbit... c'était pas du temps perdu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tenir cette opinion? Ou alors est-ce qu'on a trouvé notre grand vainqueur? Ah non, il y a Telmors, il a aimé le premier... Non, il a pris le premier Hobbit. Non, dis la trilogie Le Hobbit. Voilà. Non, tout n'est pas ajouté. Mais non, mais est-ce que tu te dis, j'ai vu la trilogie Le Hobbit, et en fait, si je l'avais pas vu, ma vie, tu vois, c'était vraiment du temps perdu, tu vois. Et moi, j'avoue que Le Hobbit, c'est parti en cacahuète quand il y a une romance nain-elfe, tu vois. Alors, je suis pas du tout Donjons et Dragons, mais j'ai quand même du mal, tu vois. Quand la meuf elfe, elle tombe amoureuse du beau gosse nain, tu vois. Déjà qu'il y a un beau gosse nain, c'est un peu compliqué, hein. Donc, voilà. Donc, la série Ratchet sur Netflix, énorme perte de temps. C'est un peu trop récent, quand même. La bataille des 5 armées rattrape tout dans le vide. Bah... Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le Hobbit, donc dans les nains, là, Thorin, Gloin, Balin, tout ça, t'as un nain beau gosse. Genre, t'as un nain, on dirait pas que c'est un nain, on dirait que c'est juste un homme qui est proportionné petit, et du coup, il rencontre une meuf. Ah, c'est qui l'elfe? En plus, c'est une actrice, c'est genre Liv Tyler, non? Non, c'est Evangeline Lilly. Donc, t'as Evangeline Lilly, c'est une elfe, genre super bonasse, et il y a une romance, genre, ils s'embrassent et tout, quoi. Je sais pas. Ils s'embrassent et ils meurent sur le champ de bataille ensemble et tout. Et, mais je veux dire... Mais je veux dire, mais non, mais il est beau, d'accord, mais je veux dire, mais attends, mais Tolkien, là, je veux dire, d'ailleurs, il faut dire Tolkien, tu vois, non, mais Tolkien, le mec, Tolkien, je fais de la poésie, je suis dans mon petit pub, je mange une petite soupe au veau, là, tu vois, je veux dire, le mec, c'est vraiment, comment dire, j'ai rien contre les hommes petits, mais un nain et une elfe, genre... Dans le Hobbit, ça va pas, tu vois, c'est pas... Il y a une sorte d'amitié virile entre Gimli et Legolas, mais là, non, ça va pas, tu vois, c'est... À part Galadriel, il n'y a pas de femme dans le... Ben si, au contraire, alors, il y a un truc, tu sais, il y a Liv Tyler et Aragorn, et l'autre, là. Et ça, c'est dans le... Ah oui, effectivement, t'as raison, dans le Hobbit, ouais. Dans le Hobbit, il n'y a pas de meuf. Il n'y a pas de meuf, ouais. Autant les nains classe, je trouve ça bien. Ben, je sais pas. Bah oui, je pense que non seulement Tolkien, il aurait jamais fait ça, mais je pense que Tolkien, il aurait été un peu déçu, tu vois. C'est-à-dire que moi, demain, je sais pas, il rachète Outdare. Et ils disent, tu sais, un mec seul dans son vaisseau... Ce qu'on va faire, c'est qu'il va aller sur une planète et au lieu de rencontrer un homme endive, il y aura une meuf, une extraterrestre hyper bonasse. Mais genre, ce sera... Ouais, non, non, ouais, ce serait une femme endive, mais vraiment, on dirait elle est super bonasse, tu vois, et elle sera en bikini, tu vois, et ils sont obligés de coucher ensemble pour sauver le monde. Alors, moi, je dirais, ok, moi, je prends mon chèque, tu vois, mais ça me fait chier quand même. C'est, elle aura juste quelques feuilles dans les cheveux. Ouais. Non, mais c'est... non, en plus, il n'y a qu'en France, c'est endive. À l'international, c'est un cornichon. C'est gherkin. Voilà. Bah, alors, tu vois, je dirais pas que Naruto est inutile, parce que Naruto, c'est le prototype... Bleach est inutile, tu vois. Mais Naruto n'est pas inutile, parce que Naruto, c'est le prototype du shonen. Donc, en gros, bah... T'avais 12 ans, s'il y avait Dragon Ball, tu regardais Dragon Ball. T'avais 12 ans, il y avait Hunter x Hunter, tu regardais Hunter x Hunter. T'as 12 ans, tu regardes Naruto. C'est ton shonen, tu vois. C'est le shonen des gens qui avaient 12 ans à l'époque où Naruto est sorti, tu vois. Donc c'est pas inutile. Et demain, il y aura le Naruto des mecs de 12 ans plus tard. C'est peut-être Tower of God, tu vois. Donc, par contre, Bleach, ce qui est pas bien, c'est que c'est ça avec des femmes à gros seins, tu vois. L'hypersexualisation, c'est... Enfin, déjà qu'il y a certains problèmes dans le manga, l'hypersexuel. Enfin, je pense que les gens qui regardent. Alors, surtout Bleach, autant dans Naruto, c'est. Parfois, il y a des petites tactiques, tout ça, et la puissance de la volonté fait qu'il gagne. La Bleach, c'est que le mec, il rencontre un ennemi, il se fait latter, et puis il se relève parce qu'il a plus de volonté, il tabasse le mec, et puis après, il part avec la meuf à gros seins, quoi. Super. Donc, voilà. Ouais, Bleach, c'est vraiment pas très utile, quoi. Ah, Fruit Basket, c'est mignon. Outdare the Dome. Il a une grosse épée, ouais. Ah, Dexter, moi j'ai pas. De toute façon, moi, les séries avec 8 saisons, j'ai beaucoup de mal. Sauf si c'était Cobra Kai. Cobra Kai, tu peux mettre 18 000 saisons, je suis content. Ouais. Et. Mais non, bah, moi, je suis pas. Alors, vraiment, moi, je suis un mec mal dégrossi, vieille école, macho, ce que vous voulez. Mais je dis trop de gros seins, tue le gros sein, tu vois. Voilà. Même trop de gros seins, tu l'histoire. Enfin, tu vois, quand t'as besoin de mettre des gros seins, c'est que l'histoire, elle est pas bonne. Il y a 0 gros seins dans Hunter x Hunter. C'est ce que j'ai à dire. Moi, je suis très Hunter x Hunter. Voilà, donc, ça existe. Naruto sans tous les hors-séries. Il y a beaucoup de fillers dans Naruto, je savais pas. Moi, je trouve que Naruto, c'est mignon, tu vois. Il y a des tas de détails mignons, tu vois. Il a un... Par exemple, au tiers du truc, il a un porte-monnaie grenouille. Je trouve ça mignon, tu vois. C'est voilà. Alors Sword Art Online, ce que j'ai pas aimé, Sword Art Online, pour moi, c'est pas le truc, mais Sword Art Online, ce qui est pas bien, c'est que ils te mettent dans un MMO. Et ils respectent vachement les règles, tout ça, tu tiens les règles, tout ça, super. Et à un moment, je spoil total, ils se retrouvent devant une sorte de boss de fin. C'est très intéressant d'ailleurs. C'est quoi le boss de fin? Ils expliquent bien tout ça. Et le boss de fin tue le héros, donc il devrait mourir. Et non seulement le héros meurt pas, mais en plus le héros, il arrive à one-shotter le boss avec la puissance de sa volonté. Et ben moi, j'ai dit, ok, j'arrête. Moi, ok, j'arrête. Je veux dire, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Il faut, tu dis des règles, tu les respectes, tu vois. Et voilà, j'ai pas, moi à ce moment-là, tu vois, même je me suis dit, putain, il y a un truc, j'ai pas dû comprendre. Ok, expliquez-moi, j'ai pas compris le truc du début, donc j'ai demandé même sur Twitter, et en fait on m'a dit non, bah non, magie du scénario, ok, voilà. Moi Dexter, je trouvais ça violent, hein, j'ai pas pu, hein. Donc, par contre, là, comme je suis un Jojo fag, hein, j'avoue, bah, je regarde Jojo's et c'est cool. Voilà. J'aime pas trop le scénarium, tu vois, cette idée-là, j'aime pas l'expression, j'aime pas la... Non mais la suspension d'incrédulité ou le scénarium, c'est des expressions que les analyses du scénario utilisent. Et j'aime pas trop ça, parce que ça place le scénario au-dessus de tout, tu vois. Alors que le scénario ne doit pas être au-dessus de tout. Par contre, si tu veux, il faut que ton scénario, qui est un peu le sel de ton gâteau, ou le sel de ton plat, faut pas en mettre ni trop ni trop peu. Et là, enfin, je suis pas contre des incohérences, mais quand ton scénario, c'est de dire... On est dans un monde où il y a des règles. Les règles sont importantes. Les règles décident de tout. Tu peux pas les violer, quoi. Voilà. Si ils avaient dit, on est dans un MMO et c'est la puissance de l'imagination, on peut faire ce qu'on veut. Bah moi ça me dérange pas, tu vois, que je m'en fous. Voilà. C'est ça le truc. Non, il n'y avait pas une histoire de. Non, si, il y a une histoire de pas de cheat code, mais bref. Ouais, je sais pas trop, mais voilà. Donc Après, peut-être que je critique des choses qu'on pourrait facilement critiquer chez moi, donc je ne devrais pas forcément le faire. Voilà, donc... le film Le Monde Secret des Emojis. Ah, j'ai vu qu'il y a... Je sais que sur Ascredit, il y a quelques jours, il y a des gens qui ont dit « C'est quoi le pire film d'animation que vous ayez vu ever ?» Et je sais qu'il y en a des vraiment affreux. Et les gens disaient « Le Monde Secret des Emojis, c'est pourri, pourri, pourri. » Donc peut-être c'est pourri, hein. Voilà, donc Eragon. Moi, Eragon, ça me fait de la peine, je vais vous dire pourquoi. Parce que, à la base, Eragon, donc de Christopher Paolini, un truc comme ça, tu sais, genre Eragon sort un peu après la vibe Harry Potter, genre 2 ans après, et on a cette ces fameux livres avec un dragon dessus et une histoire avec des dragonniers, je déteste ce mot, bref. Et je dis, quand même, renouveau de la presse fantasy pour les jeunes, ça me fait plaisir, tu vois, vraiment haillé, parce que on a je veux dire 1990 1998 c'est le désert total quand t'es un jeune, t'as pas de livre, tu vois, t'es obligé d'avoir une Nintendo ou de lire la bibliothèque verte. Et en fait j'apprends que Christopher Paolini, bah, c'est le fils de l'éditeur, voilà, d'un gros éditeur en Italie. Bah ok, d'accord, bah c'est pas cool, quoi, voilà, ça me... Ouais. Donc, ouais, moi j'aime pas ça, tu vois, j'aime pas ça, c'est pas cool, voilà. C'est pas cool parce qu'il y a tellement de gens, et vous voyez, moi, j'essaie de pas... Enfin, j'essaye, mais je le fais un peu, mais j'essaie de pas trop me mettre en avant, tu vois, j'essaie pas de trop d'utiliser ces cheat codes-là, et j'aimerais vraiment que les gens qui ont du talent, ils soient mis en avant, parce que je veux pas... Si tu veux, en tant que lecteur, je veux lire des bonnes choses. Et je veux pas qu'il y ait un mec, qui soit le fils de l'éditeur, qui sorte un bouquin, qui prenne la place d'un mec qui a fait une super histoire, parce que je veux lire la super histoire. Et quand ça arrive, ça brise mon cœur. Voilà. Bref. Ah, le film est à brûler. Ok. Donc, bah, il a pas choisi son père, mais en tout cas, son père a choisi son fils, tu vois ce que je veux dire. Donc, le film est pas sauvable. Ok. Ouais, le film World of Warcraft. Les gens disent qu'il est pas très bien. En fait, je pense que le film World of Warcraft est pas mauvais si ça traitait pas de World of Warcraft, quoi. Après, j'ai pas vu tous ces films. Je vois en moyenne un film par an. Je suis le mec justement qui sur son CV ne met jamais enfin, comment on dit ça, hobby de point cinéma, tu vois. Les mecs qui disent ça. Les mecs qui disent dans mon temps libre, cinéma, voyage. Ok, qui d'autre ne fait pas ça? Moi je peux pas mettre ça. Bah, vous n'avez pas mis cinéma dans mon billet? Bah non, je vais jamais au cinéma. Voilà. Donc, de toute façon, j'ai pas mis. Putain, les cinéphiles. Hobby, Fradon. C'est quoi ta blague? En plus, les cinéphiles, je suis désolé. Alors, cinéphiles, moment bitchage. Je bitche un peu aujourd'hui parce que je suis en forme. Moment bitchage. Les cinéphiles, pour moi, c'est comme comment ça s'appelle? Les snobs de la bouffe. Insupportable. Oh, mec, je connais un petit traiteur italien dans le 6e. Il te fait une burrata machin là, tu vois. T'y vas, tu lis le code secret, il te fait la petite burrata. Ok, elle coûte 26 €, mais ah, tu la manges, c'est exceptionnel. Les mecs qui me parlent comme ça, tu sais, j'ai envie de leur servir une mozza à 1 € de Leader Price là, tu vois. Et ben pareil, les cinéphiles, compliqué, hein. Moi j'ai du mal. Hein. Et en plus. Ouais. Et tous les gens, en plus, qui sont des adeptes de la bouffe, en fait, c'est des mecs, ils vivent dans un autre monde. Voilà. Ils ont la chance de vivre dans un autre monde. Donc, ouais. La saga du film Labyrinthe, grosse perte de temps. Bon, ah, mais le Labyrinthe. Café Italia, 4 tables seulement, numéro 13 sur TripAdvisor, alors, je sais pas trop. Non, non, mais je dis, moi je trouve que enfin, on peut aimer la nourriture, tu vois, on peut dire, on peut faire des plats sophistiqués, on peut aller dans des restaurants, tu vois, mais définir son identité en disant, moi je suis un adepte de la bouffe, enfin, parce que j'en ai connu, hein, c'est une vie super triste en fait. C'est des mecs qui font des voyages pour aller dans un restaurant, enfin, ça se trouve, c'est très bien pour eux, quoi. Mais ouais, les gens qui font. Le parisianisme, quoi, tout simplement. Et les cinéphiles, j'ai l'impression que... Enfin, j'ai l'impression de pas être dans leur monde, quoi. C'est... En plus, déjà, ils disent, mon film préféré, c'est Le Parrain. Alors, ok, il est cool, tu vois, mais... Mais j'en sais rien. Je sais pas si vous connaissez la courbe des experts, c'est-à-dire que quand tu commences à découvrir un domaine, tu te crois expert. Tu vois. Donc là, tu passes à BFM TV, après ça descend parce que si tu continues à apprendre le domaine, ça descend parce que tu dis, oh, mais en fait j'ai tout à apprendre, et après ça remonte un petit peu. Tu vois. Et en fait, il y a des gens qui ne dépassent jamais le pic, tu vois, de confiance. L'effet Dunning-Kruger, exactement. Ah non, un cinéphile, c'est comme un foodie, c'est un mec qui t'explique que ce film, il est extraordinaire, parce qu'il a tel aspect, tel truc, il te raconte des petites anecdotes, tu vois. Mon top 3 des films, non, je ne saurais pas vous le dire. Je suis très très peu, je connais pas assez les films. J'aime bien Brendan Fraser, mais j'aime pas, je dirais pas que je dirais pas regarder La Momie, je dirais surtout pas regarder Les Goonies, parce que Les Goonies c'était un film que j'ai vu quand j'étais tout petit, mais qui était bien. Non mais j'aime bien ces films, mais j'aime bien Willow aussi, mais j'aime pas... Non... Moi en fait, en vrai, j'aime bien Indiana Jones and the Last Crusade, voilà. J'aime bien Indiana Jones 3. Et non, non, on parle film. Les films que j'ai pas envie de voir à cause des cinéphiles. Ben, par exemple, il y avait quoi? Il y avait... En fait, je suis allé voir Joker. Et Joker, j'ai trouvé que c'était un bon film. Mais sans plus, tu vois. C'était un film. Voilà. Moi, je trouve ça sympa de traiter un super-héros qu'on voit dans des films à grand budget, de façon un peu intimiste. J'adore l'acteur. Vraiment, je le trouve fantastique. Il est incroyable. Et en regardant Joker... Et notamment le traitement de son fantasme qu'il imagine la réalité, ça m'a même donné des idées. Je trouve que j'ai dit tiens, c'est bien traité, et ça je le garde, je le mets dans ma bibliothèque de tricks et je l'utiliserai un jour, tu vois. Et donc moi c'est un film qui m'a apporté. Mais dire c'est le pire film, tu vois, genre c'est le pire film que j'ai jamais vu de toute ma vie, ou dire c'est le film qui a changé ma vie et maintenant je suis le Joker, tout ça, c'est à mon avis des réactions excessives, voilà. Et salut la belette. Donc ah ben, moi en fait, alors on m'a pas vendu. Alors moi je fais pas trop confiance à Twitter. Par contre j'avais vu le trailer et j'ai dit waouh, ça a l'air cool. Voilà. Et j'aime bien aussi. J'ai aimé les Star Wars. Voilà, désolé, j'ai aimé les Star Wars. Les 3 derniers Star Wars. Et j'ai adoré The Last Jedi. The Last Jedi, j'étais vraiment hyper heureux. Je l'ai trouvé magnifique, il était beau, 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 tous les plans étaient beaux, et vraiment, il y a des passages, voilà, pour moi c'est très très bien, et non mais en fait le cinéma, comme j'y vais très peu, j'ai ce côté magique de l'écran noir, tu vois, tu as un écran noir, et tu sais, tu as Lucasfilm qui apparaît, et c'est beau, et c'est cool, tu vois. Ou Disney, ou Pixar. Et juste là, pour payer, tu vois, t'as payé, tu vois ça, et t'es content, en fait. Quel que soit le film qui passe derrière. Moi, je me souviens, je suis allé au cinéma en 2001 voir La Menace fantôme. Et c'est un des plus beaux moments de ma vie. Pourquoi? Parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas vu un Star Wars au cinéma. J'aime bien Star Wars. Je suis allé dans la salle 1 de l'UGC Châtelet-Léal. J'étais avec mes potes. J'étais au milieu, j'étais super bien. Il y avait genre 1000 personnes dans la salle. C'est une salle immense, tu vois. Et tout d'un coup, il y a le noir. Et tout d'un coup, tu vois Lucasfilm Game. Alors, Lucasfilm. Tu sais, Lucasfilm qui apparaît. Et tout d'un coup, pom, tu vois Star Wars qui apparaît sur l'écran. Et en fait, le film, il était pas bien, tu vois. Mais en vrai, c'était génial. Enfin, juste être là et voir ça, et tu dis, mais c'est génial, tout est possible, c'est fantastique. Et j'étais hyper heureux, quoi. Voilà, j'étais vraiment hyper heureux. J'ai pas vu le film sur Han Solo. Je suis désolé. Bah, Stalker, il est pas mal, hein. Je suis désolé, hein. Tous les films, je te dirais, c'est pas trop mal. Interstellar, je me suis un peu fait chier, ouais. Moi, un film... Alors, je vais vous dire... Pourquoi, alors, ne bondissez pas. C'est pas du tout du troll, mais pourquoi j'ai préféré Lucie à Interstellar? C'est juste que c'est plus court, tu vois. Lucie, il dure 1h20. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand je me vends sexuellement, je dis, moi de toute façon, c'est un petit rapport sexuel missionnaire de 3 minutes, et après, on joue aux jeux vidéo. Et je pense que c'est un bon argument pour se vendre sexuellement, parce que la meuf, elle se dit, si c'est la pire relation sexuelle de ma vie, c'est que 3 minutes, tu vois. Et je pense que c'est un très bon argument, c'est-à-dire que le temps, c'est hyper précieux quand t'es vieux. Donc tu payes ta séance de ciné et tu dis, si c'est haché, c'est que 1h20, tu vois. Et les pubs, ça va être sympa. Et par contre, si tu t'en prends pour 3h40, alors là, ça a intérêt d'être bon, hein, ça va vraiment être dur d'être bon, tu vois, voilà. Donc, non, j'ai pas vu Alita non plus. Lucie est une honte. Non, n'exagérons pas. Non, Lucie, il est mignon. En plus, Lucie, c'est un vrai baisson, tu vois. Voilà. Alors moi, les Marvel, je suis pas allé voir. Si, je suis allé voir, alors complètement par hasard, Captain America contre le soldat de l'hiver. Voilà. Alors que j'avais pas vu le premier Captain America. Et c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé. Mais... Et puis... J'avais bien aimé. Le film est pas très bon. Hein. Non mais j'ai pas adoré Lucie. Je trouve pas que c'est bien. Je trouve la fin ridicule aussi. Mais c'est que 1h20, tu vois. Passer 40 ans. Je... Alors moi, un jeu vidéo qui est long, ça m'est égal, parce qu'un jeu vidéo qui est long et que tu peux sauvegarder à tout instant, limite tu joues 3 minutes et tu te casses, tu vois. Ou tu joues 20 minutes et tu te casses. Mais ce qui est dur dans un film, c'est que tu as payé. Si tu te casses, tu peux pas revenir voir la fin, tu vois. Et je me souviens, un jour, je suis allé voir un film qui s'appelle The Brown Bunny. C'est un film français, The Brown Bunny. Et il y a une scène de fellation à genre 1h27. Et j'ai vu des mecs rentrer à 1h27. Genre, ils s'asseyaient même pas. Ils étaient debout devant l'écran, regardaient la fin de la fellation et ils se cassaient. C'était assez incroyable. Je sais pas si ça vous est arrivé aussi, des gens qui partent en pleine séance. Moi, ça m'est arrivé quand j'avais la carte. Où je suis allé voir un film qui s'appelait un reboot de Frankenstein, et je suis parti au bout de 10 minutes. Et mais j'ai vu, ouais, dans Kick-Ass 2, t'as des blagues sur le viol d'une femme, et j'ai vu 3 femmes partir. Elles étaient dans la salle, elles se sont levées, elles sont cassées. Voilà. Donc c'était Drive. Ah bah ça c'est sûr. Hein. La vie rêvée de Walter Mitty, je l'ai vu, j'ai plutôt kiffé. J'ai pas aimé la fin. Je pense que j'avais une meilleure fin que la fin du film. Panachon, pas de blague comme ça, s'il te plaît. C'est vraiment faux, c'est vraiment le truc à pas dire. Un jeu dont t'as toute l'expérience en 2 heures, c'est top. Maintenant, Shanab, enfin, tu peux dire ça si t'as le jeu gratuit, mais tu vois, moi je. Comment ça s'appelle ? Il y a. Comment ça s'appelle ? Il y a. Ah, Drogan a failli sortir de la salle. Il y a un jeu qui s'appelle Bioshock Infinite. Et il y a une dissonance énorme, Bioshock Infinite, entre les journalistes et les joueurs. Pourquoi? C'est le jeu qui avait le plus de discordance. Et quand il a été rejoué, je me souviens 6 mois après, par Polygon, parce qu'ils ont une rubrique comme ça, ils lui ont mis genre la moitié de la note. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un jeu que tu termines en 48 heures, en un week-end, qui est magnifique. Tu en prends plein les yeux, tu fais plein de trucs, enfin, tu vois, il est très vivant. Il manque un peu de fond. Et en fait... un blockbuster que tu termines en un week-end, en plus en mangeant, tu vois, pas en te privant de sommeil ou quoi que ce soit. En fait, tu peux pas dépenser 70 €. À l'époque, tu pouvais pas dépenser 70 € pour un jeu que tu finis en un week-end. C'est pas possible, tu vois. Donc, et toi, Shanab, quand tu dis ouais, moi j'ai acheté, je sais pas, imagine t'achètes le prochain Cyberpunk 70 boules et tu le finis, allez vite fait en 3 jours. Bah non, c'est compliqué, tu vois, tu peux pas, ça se fait pas, tu vois. Je suis désolé de dire ça, hein, toute polémique sur le crunch mis à part, tout ça, c'est un jeu vidéo, il n'a pas ces standards-là. Mais par contre, la puissance du jeu vidéo, c'est que tu peux sauvegarder à tout moment. Et moi, je trouve la puissance de The Witcher 3, c'est que les quêtes, elles durent 1 heure. Tu lances un The Witcher, tu fais la quête tranquillement, pendant 1 heure, t'arrêtes, tu continues ton taf, quoi. C'est super. Moi, c'est pour ça aussi, j'aime beaucoup... Maintenant, j'aime beaucoup ce jeu Slay the Spire, parce que moi, les parties, elles font en 30 minutes maintenant, parce que je joue très vite, et j'ai plus de 700 heures sur le jeu maintenant. Donc, du coup, je me fais 2 parties, ça dure 1 heure. Tous les jours, je fais 1 heure de Slay the Spire. C'est ma pause relaxation. Donc, j'ai pas vu Alita, non. Salut Clini. J'ai beaucoup aimé en mangeant et en te privant pas de sommeil, ouais. Non mais je vous dis ça parce que en fait quand GTA V est sorti, j'ai des potes, genre ils l'ont acheté, ils l'ont reçu vendredi soir et dimanche soir ils l'avaient terminé, tu vois. Ils avaient terminé le solo, mais ils ont fait que ça. Voilà, donc vous êtes déjà retrouvé seul dans une salle de ciné? Quoi, c'est pas nous ta pause? Bah non, non, vous, non, non seulement vous n'êtes pas ma pause, mais en plus vous êtes du taf. Hein. Salut, salut Pizza. Voilà, donc non, j'ai pas vu Alita. Le mec il me pose la question tout le temps. Cyberpunk à 40 €. Mais j'achèterais peut-être Cyberpunk, mais peut-être un peu en retard. En fait, je suis un peu... Comment ça s'appelle? Je suis un peu... Je suis quelqu'un qui a acheté beaucoup de Xbox. Et j'ai un peu peur d'acheter une Xbox Day One. Parce qu'elles ont toutes des problèmes. Voilà. C'est... Ah, Slay the Spire, 853 €. Ouais, c'est moi aussi. Alita reprend bien le manga. J'ai vu Cloud Atlas, ouais. Cloud Atlas, tu vois, par exemple, c'est pas un film que je déconseillerais, mais c'est un film que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé Cloud Atlas, mais je trouve que, à mon avis, il y a des tas de gens, ça peut les faire rêver, ils peuvent kiffer. Voilà. Bon, bah, cool. Moi, Cyberpunk, j'irais... Bah, plus rien Day One, ça dépend. Moi, par exemple, Lisa, un Rockstar, je peux l'acheter Day One. Je suis sûr que ça marchera. Enfin, peut-être pas sur PC, mais sur console. Mais les consoles... enfin, les consoles Xbox, j'ai toujours eu des problèmes quand je les achetais Day One, quoi. Voilà. Donc... finir vite un jeu ou lire vite un livre, je trouve ça... Ouais, moi je merci au Gramma pour ton sub. Moi j'essaye pas de faire les jeux rapidement. Bah, vous avez vu là, on joue à Skyrim, j'essaie de kiffer. Je vous avoue que forcément je vais acheter Cyberpunk. Moi je vous annonce, hein, j'annonce tout de suite que Cyberpunk, ça va pas être le grand jeu. C'est-à-dire que ça va être un très grand jeu, si, mais en fait ça va pas être le jeu que vous attendez. Parce que le Cyberpunk, ça va vous saouler. Ça va vous saouler très rapidement. Je vous le dis, hein, ça c'est sûr. C'est-à-dire, il y a vraiment une très faible partie de la population qui rêve d'être câblée, qui rêve d'être... Voilà. Ça je l'ai déjà dit, hein, j'expliquais ça, le truc. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que je stream ou pas Cyberpunk? Et c'est vrai que l'expérience de streamer... Merci beaucoup encore au Gramma. L'expérience de streamer Cyberpunk, c'est pas pareil que l'expérience de jouer tranquillement à Cyberpunk. C'est deux choses assez différentes. Voilà. Donc... les prochaines consoles? Non, je pense que ça peut être cool et il y aura peut-être trouvé des choses. Ah, tu regardes Hunter x Hunter? Bah alors, j'ai jamais regardé vraiment l'animé Hunter x Hunter. Je suis surtout... les mangas sont bien. Voilà. J'ai vu ta livre dans les toits avec le RC Toulon. Bah, je suis de Toulon, tout à fait. J'ai vécu 19 ans à Toulon. J'ai pas eu tout l'accent, t'as vu? Voilà. Ouais, ça dépend. Il y a eu beaucoup de hype pour Red Dead Redemption 2. Et en fait, le retour de hype, il est venu quand les gens ils ont joué assez longtemps. Tu vois. Bon, il est 20 h 30. On va raider quelqu'un. Je vais faire une petite pause. Et puis après, je jouerai un peu de Skyrim. Ça vous va? Ça vous dit ça? C'était cool? Ouais, les dialogues seront bien, l'histoire, mais voilà, c'est pas... Alors, on pourrait raider Panta. On pourrait raider Paulinette. Je sais pas qui c'est. Est-ce que j'ai d'autres pour aider? C'est qui cette personne? Ok. Tonton Feuillant. Vous avez qui on pourrait aider? Partez pas tout de suite. Partez pas tout de suite. On pourrait aider qui? Jiraya, il est à 26 000 là. Les doigts dans le nez. Domingo, Data Reaper. Putain, le stream. Ils sont à 28 000. Qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils font un débrief. Ah non, ils font 301 vues, d'accord. Okay. Ah, on pourrait faire Nathalie. Et Paulinette, elle est de Canard PC? Oh, c'est cool. Bah alors, ok. On fait... Allez, Paulinette, c'est parti. Grondney... Alors, Paulinette... Non, c'est bien, on promeut les... on promeut les streameuses. C'est bien. Merci, Aldine, de te... Je te fais un bisou. Et on se retrouve de toute façon... Alors, gardez votre petite alarme active. Ou allez sur le Discord en faisant... pour l'exclamation Discord pour avoir mes annonces. Et tout à l'heure je fais un stream Skyrim dans lequel je vole tout. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous, salut.